Ah, je m'appelle Jessica Coopers et je suis développeuse de jeux vidéo et je viens justement de créer le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Je l'ai fait pendant au moins 2 ans, j'ai travaillé dessus et il est enfin prêt. Et du coup, pour faire de la communication, vu que j'ai pas beaucoup d'argent pour payer de la publicité, je me suis dit que j'allais l'envoyer à ma youtubeuse préférée qui s'appelle Sefo Game. Je vais lui envoyer mon jeu vidéo pour qu'elle puisse le tester en vidéo et du coup ça pourra me faire de la publicité en même temps, ça serait super génial. Et en plus, si c'est ma youtubeuse préférée qui essaye le jeu, oh mon dieu, c'est trop un rêve pour moi. Allez, je vais lui envoyer mon jeu vidéo et je vais attendre. Je vais aussi l'envoyer, je pense, à d'autres youtubeurs, mais franchement, Sefo Game, c'est ma favorite et ça fait depuis que je suis toute petite que je la suis et j'adore ses vidéos et ce qu'elle fait. Elle est trop géniale, elle est trop gentille. Allez, hop, je lui envoie, c'est envoyé. Non, non, il n'y a plus qu'à attendre. De toute façon, je peux pas revenir en arrière. Oh mon dieu, je stresse. Oh mon dieu. Oh, bah, j'ai reçu un mail d'une certaine Jessica Coopers qui a fait... Oh, c'est une développeuse de jeux vidéo qui a fait un jeu vidéo. Ah bah, je crois qu'on va tester ça en live, ça va être trop bien. C'est super ça. Oh, bah, en plus, c'est une fan. Ok, c'est super, on va tester ça en live. Oh, c'est quoi ça? J'ai reçu un truc sur mon téléphone. Oh non. Oh, Sefo Game, ma youtubeuse préférée, elle va faire un live. Et dans le titre de son live, il y a mon jeu vidéo. Non, faut pas que je rate ça, je vais aller directement sur l'ordinateur pour regarder. Oh non, mon dieu, je suis trop contente. Oh, c'est un truc de fou. Vite, 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 faut pas que je loupe. Bon, c'est parti, on va lancer live. Clic. Voilà. Bonjour à tous. Ça va? Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un open screen d'un jeu vidéo créé par une développeuse qui s'appelle Jessica Coopers. En plus, c'est une fan, donc je suis sûre que le jeu il va être extraordinaire, vu comment mes fans sont extraordinaires. C'est parti, on va tester ça. Il s'appelle Sorsorium. J'espère que vous allez jouer. Bon, attendez, on va jouer d'abord. Allez, on lance le jeu. Bon, ça met un peu de temps à se lancer. Un peu beaucoup même. Ok, c'est lancé, tout va bien. Alors, c'est parti, on va se créer un personnage. Sorsorium, un petit personnage. Les personnages sont très moches. Je suis désolée, je t'aime bien Jessica. Mais les personnages, ils sont pas vraiment très beaux. Voilà. Ensuite, on va commencer à jouer. C'est parti, mon personnage est dégueulasse, mais c'est parti. Oula, on est sur un ride. Pourquoi le jeu il commence comme ça? C'est un peu bugué. Bon, ok, je crois que le jeu il est un peu bugué. Je pense, Jessica, il faut que tu refixes des choses sur ton jeu parce que c'est légèrement bugué. Je suis désolée, ok. Bref, je crois qu'on va arrêter de jouer. Ça m'énerve, il y a tout qui bug. Bon, bisous, au revoir, c'est fini l'open screen. Clic. Oh là là, quel jeu de merde. Non. Mais elle a pas aimé mon jeu. Elle a pas du tout aimé mon jeu, mais elle a surtout rien compris à mon jeu. Elle a pas compris que mon jeu vidéo, en fait, c'était un truc à travers les périodes des jeux vidéo. En gros, c'est un jeu qui évolue, plus on joue, plus il évolue, en fait. Et elle a même pas eu le temps de vraiment bien tester le jeu pour comprendre. Oh non, je suis trop triste. Oh non, elle a pas du tout aimé. Bon, tant pis. C'est pas grave, j'espère au moins que ça aura fait une petite pub et qu'il y aura quand même des gens qui auront apprécié mon jeu vidéo. Mais bon, tant pis. Bon, bah je suis un petit peu triste, hein. Du coup je vais aller me coucher, tant pis. Je vais me reposer un peu parce que là je me sens pas hyper bien. Bye dodo. Voilà. Oh là là, j'ai hyper mal dormi là, parce que depuis que Sefo Game, là, enfin du coup, mon ancienne youtubeuse préférée, mais pas mon jeu, bah, du coup, je suis un peu triste, mais bon, je vais regarder s'il y a eu des ventes sur mon jeu vidéo, hop, on va aller regarder ça, alors, Sorsorium, sur la page de mon jeu vidéo, qu'est-ce que ça dit? Oh! Mais comment c'est possible? J'ai une note de 0, j'ai 0 étoile sur 5. Et pourtant, il n'y a personne qui a acheté mon jeu.
Et j'ai quand même une mauvaise note, je comprends vraiment pas. Mais comment ça, il y a des gens, ils ont noté, ils ont même pas acheté le jeu. Ils ont dit que c'est... Quoi ? Attends, attends, que je lise un petit peu les commentaires que les gens ils m'ont laissés sur mon jeu. CFO Game n'a pas aimé le jeu, n'achetez surtout pas ce jeu. Quoi ? Quoi ? Mais en fait, c'est des abonnés à CFO Game, du coup, qui sont en train de pourrir mon jeu. Ils me mettent des mauvaises notes. Mais même mon profil, même sur mon profil de créatrice, de développeuse de jeux vidéo, les gens, ils ont mis de mauvaises notes. Mais non. Mais je vais faire comment, moi, du coup ? Il n'y a plus personne qui va acheter mon jeu. Et plus personne va vouloir me recruter dans sa boîte pour développer un jeu. Oh non, mon nom, il est ça. Là, je... Oh non, c'est ma carrière, elle est finie. Ma carrière, elle est foutue. Je pourrais plus jamais faire des jeux vidéo maintenant. Mais non. Oh, j'ai envie de pleurer, là. A few moments later. Y a quoi dans mon frigo ? Bon. Bon, il reste plus grand-chose. Je vais aller faire les courses juste en bas, heureusement. Il y a une petite supérette. Je vais y aller. Oh. Bonjour. Je suis votre nouvelle voisine. Je m'appelle Sephora. Ouais, bah bonjour et bienvenue, hein. Ok. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Allez, je vais aller m'acheter une pizza au chorizo. Toi là, toi. Oui, bonjour. Eh, je te connais. Mais moi aussi, je te connais. Ah ouais ? T'es pas la développeuse d'un jeu, là ? Ouais, ouais. C'est ça, ouais. C'est Sorsorium ? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien moi. Et bah, oh, sache que ton jeu, c'est de la grosse merde. J'avoue, en plus, il bug et tout. Ah ouais, ouais. Mais enfin, juste comme ça, vous avez testé mon jeu ? Non. C'est CFO Game qui nous l'a dit. Ouais. Mais c'est dommage parce que vous essayez même pas mon jeu avant d'avoir un avis dessus, c'est dommage. Bah, tu comprends que quand on a essayé de l'acheter, il y avait zéro étoile. Donc j'allais pas dépenser mon argent pour un jeu aussi merdique. Et en plus, CFO Game, elle a tout le temps raison. C'est ça. Ah, ok, bon bah... Bah écoutez, je... Ok, je... Bon, je vous laisse, hein. Au revoir. Au revoir. Mais je vais faire comment, voyez tout le monde qui va m'accoster maintenant pour insulter mon jeu. Bon, je vais prendre ma veste et je vais aller voir ma grand-mère. Ça fait longtemps qu'elle veut que je vienne la voir. Allez, on y va. Salut, comment ça va ? Ouais, bonjour. Mais, pourquoi tu m'évites en fait ? Depuis qu'on s'est rencontrés, tu m'évites. Qu'est-ce qui se passe ? Tu me connais ? Je sais que je suis youtubeuse, du coup je me demande si tu me connais et que tu m'aimes pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ok, je vais te dire hein, vraiment, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je te vois et que j'ai envie de te dire tout ce que j'ai sur le cœur là. Mais en fait, sache que je sais pas si tu te rappelles d'une certaine Jessica Coopers. Ouais, je me rappelle. Ouais. Bah tu sais, cette Jessica Coopers, bah, en fait c'est moi. Et tu sais ce que t'as fait avec ta vidéo ? Non. T'as détruit ma vie, tu comprends ça ? J'ai zéro étoile sur la page de mon jeu vidéo, même sur mon profil. Sur mon profil de créatrice de jeux vidéo, il y a tout le monde qui m'a mal noté. Je ne pourrais plus jamais devenir développeuse de jeux vidéo à cause de toi. Et en plus, t'as rien compris à mon jeu. T'as lancé mon jeu et en 2 minutes chrono, t'as défini que mon jeu c'était de la merde. Et maintenant, il y a tout le monde qui pense ça. Et alors qu'en fait, si tu serais peut-être allé plus loin dans le jeu vidéo, peut-être que t'aurais compris que le but c'est en fait d'augmenter. Et plus t'avances dans le jeu, plus il devient intéressant. Et plus il évolue, c'est un jeu évolutif. Au début, t'as l'impression que c'est un petit jeu. Et au fait, tu te rends compte par la suite que c'est un gros jeu. Mais ça, t'as pas voulu aller plus loin que ça. T'étais trop... Je sais pas. Je comprends vraiment pas. Mais en tout cas, t'as ruiné ma vie avec ta vidéo. Ah. Bon, j'y vais. Ok. Ah, ça fait du bien de revenir un petit peu à la campagne, voir ma grand-mère. Ah. Sonner, hop là. Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu, dis donc. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as une sale mine aujourd'hui.
Salut mamie. Bah écoute, je venais te voir un petit peu là. Parce que bon, j'en ai. Voilà, j'ai des petits soucis effectivement. Oh, des petits viens, problèmes. rentre. Tiens, on va prendre un café et tu vas m'expliquer ton problème. Ok. Alors, quel est ton problème? Que se passe-t-il? Oh, tu sais, mamie, je pense que tu comprendrais pas, tu vois, c'est vraiment le truc lié à la technologie avec mon jeu vidéo, etc. Et ça s'est pas hyper, hyper bien passé, quoi. Même c'est catastrophe, en fait. Oh non, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, j'en suis sûre. Bon, si tu veux, tu peux rester dormir. Ah ouais, je veux bien, mamie, ça me changerait un petit peu les idées, là. J'en ai un petit peu marre. Être seule à la maison là en ce moment. Ah, parfait. Bon, ne t'inquiète pas pour ton problème, je suis sûre qu'il s'arrangera tôt ou tard. Ah merci mamie. Et puis tous les gens qui t'ont fait du mal recevront un karma. C'est toujours comme ça dans la vie. Eh ben, il va y en avoir un bon paquet alors. Ça fait du bien de rentrer quand même à la maison. Ah, Bonjour. bonjour. Vous êtes qui? C'est Fora, c'est Fogame. Ah oui, tu me reconnais pas. Ce matin, j'ai pas eu la foi de mettre ma perruque. Je suis fatiguée. Mais qu'est-ce que... Enfin, t'es malade? T'as besoin d'aide? Tu veux que j'aille chercher des médicaments pour toi? Ah non, ça va. C'est juste que je suis très fatiguée. J'ai passé toute la nuit sur quelque chose, sur une vidéo qui va sortir ce soir. D'accord, mais si t'as besoin d'aide ou quoi que ce soit, enfin franchement, n'hésite pas, viens toquer à ma porte, je viendrai t'aider. Merci, c'est gentil, mais vu tout ce que je t'ai fait de mal et tout ce qui se retombait sur toi, non, ne fais rien, ça va aller, je te jure. Juste, la seule chose que je peux te demander, c'est de regarder la vidéo qui sort ce soir à 18h. Ok, bah j'irai voir, d'accord. Mais ouais, même, enfin, je veux dire, même si voilà, ce que t'as fait ou quoi que ce soit, si je vois que t'es pas bien, il n'y a pas de problème. Hein. Si t'as besoin de moi, n'hésite pas de venir toquer à ma porte, il n'y a pas de souci. D'accord? Ah non, non, oui, ça ira mieux demain, t'inquiète pas. Regarde la vidéo ce soir à 18h, ça me fera beaucoup plaisir. Ok, ça marche. Bon bah, bonne journée à toi. Hein. Bonne journée. Vraiment l'air hyper hyper fatiguée, je sais pas ce qu'elle a. Ça m'inquiète un peu, mais bon. Ah, je vais rentrer à la maison. A few moments later. Trop mignon les chiens à la télé. Oh, ah merde, il va être 18h là et j'ai Sefo Game, la youtubeuse là qui m'a dit de regarder, elle sort une vidéo à 18h. Bon, j'ai un peu peur. Je sais pas pourquoi elle m'a demandé de regarder sa vidéo. Alors bon. Je vais regarder. Hop, c'est faux game sur YouTube. Je n'arrive pas à rester assise là, tellement je stresse. Pour la vidéo, il va être 18h là. On va commencer le live cette fois. Il va falloir dire la vérité. Clic. Bonjour les amis, c'est CFOGAME, c'est Fora. Voilà. Bon, bah aujourd'hui, on va refaire quelque chose que j'ai déjà fait parce que je me dois de le refaire. Donc aujourd'hui, nous allons faire un open screen de encore le jeu Sorcerium de la créatrice Jessica Coopers, qui mérite bien mieux, moi je vous le dis, de son jeu. Car en fait, c'est une tuerie, je vous jure. J'y ai joué toute la nuit. En fait, en ce moment, je fais des vidéos à la chaîne, mais je prends pas le temps de vérifier et de regarder si le jeu est vraiment bien. Et dès que je vois que c'est un peu ennuyant, je quitte le jeu. Mais en fait, je peux vous dire que ce jeu est vraiment incroyable. Je n'ai pas su m'arrêter de toute la nuit. C'est un jeu exceptionnel. Je peux vous le dire. Vous devez venir jouer avec moi. Il est vraiment trop, trop, trop bien. Donc, je vous invite. Vous allez lui mettre 5 étoiles sur Steam. Sinon, je vous tue. Merci. Donc, voilà, Jessica Coppers est vraiment la développeuse la meilleure du marché. Je peux vous le garantir. Allez, venez jouer, c'est parti. Oh, mais non, elle a refait une vidéo, elle a retesté mon jeu, et c'est pour ça en fait elle a été fatiguée pendant toute la nuit, elle a joué à mon jeu. Mais non. Ah oh, mais c'est... Oh,
Et j'ai regardé toute sa vidéo et elle avait l'air hyper kiffée et elle a pu... Enfin, elle allait hyper loin dans le jeu et elle a mieux compris le concept. Non mais c'est trop cool. Non mais c'est trop bien mais... Oh mon dieu. Et ça se voit qu'elle a kiffé. Elle a enfin compris le but. C'est... Mais non, oh, je sais plus quoi dire, c'est trop génial. Maintenant, je m'en fous, même si j'ai 0 étoile, au moins ma youtubeuse préférée, elle a vraiment bien essayé mon jeu. Maintenant, c'est... Oh non, mais je sais plus quoi faire, là, je suis trop contente. Ah, j'ai hyper bien dormi cette nuit. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas aussi... Ça faisait au moins des semaines et des semaines que j'avais pas aussi bien dormi. Allez, je vais aller voir un petit peu. Je vais aller voir un petit peu sur mon jeu là, qu'est-ce qui se passe. Alors. Sorcerium. Oh non. Oh mon dieu. Mais. Oh mon dieu, mais j'ai plein de commandes. Mais non. Oh non, mais il y a des milliers de commandes. Je suis pas loin de 100 000 commandes. Pour le jeu vidéo. Mais c'est génial. Et ma note, elle a hyper bien augmenté. Là, je suis à 4 étoiles. 4,2 sur 5. Mais non. Et les commentaires. Je vais voir les commentaires. Là, j'ai un peu peur. Mais faut que je regarde. Ok. Alors, premier commentaire. Le jeu est trop bien. Je vous le conseille. Ah, génial. Il y a un autre commentaire, là. Il est trop bien. Heureusement que Sefo Game a refait une vidéo. Sinon, je serais passée à côté d'un jeu génial. Mais non, c'est trop bien. Mais non, les gens, ils essayent le jeu. Et là, je sais au moins que c'est des vraies notes. Parce qu'ils ont essayé le jeu avant de me noter. Mais c'est trop cool. Oh non, mais là, faut vraiment que je le fête. Faut que je fasse quelque chose, faut que je le fête. Faut que j'aille acheter du coca, de la pizza, là. En plus, j'avais perdu un petit peu de poids, là. Faut que je reprenne du poil de la bête. Et ça me remotive à faire un deuxième jeu vidéo, maintenant. De faire une suite. C'est... Enfin, je peux enfin repenser à ma carrière. Et moi, qui étais déjà en train de chercher des formations pour me reconvertir dans autre chose. Eh ben, je vais pouvoir vivre de ce que j'aime. Mais c'est trop génial. Bon, je vais aller au magasin. Allez, je vais au magasin. Je vais acheter de la pizza. Je vais acheter de la pizza et... Il y a du monde dans les couloirs aujourd'hui. Je vais aller acheter de la pizza et du coca. Oh. Hey. Hey, oh, ça va? Salut, c'est faux. Bah, j'ai vu. J'ai vu ta vidéo hier. Ouais. Oui, j'ai vu ta vidéo hier. Bah déjà, je te remercie parce que je vois que t'as vraiment testé le jeu. Hein. C'est vraiment cool. Je vois aussi que t'as la vie pareil que moi. On est connectés. Là, je suis un peu choquée. Je savais pas qu'on allait s'habiller pareil. T'as acheté la tenue au même endroit que moi, je pense. Je pense, ouais, on a dû l'acheter sur Wish. Moi, j'achète tout sur Wish parce qu'en vrai. Ouais, c'est moins cher. Ouais. Du coup, j'allais au magasin. Ouais, je vais acheter de la pizza, du coca, là, je sens que c'est une belle journée aujourd'hui, ça fait plaisir. Bah, au pire, tu veux pas venir chez moi, on se mange une pizza et on boit du coca ensemble? Bah, ce serait super génial, bah viens, on va chercher une pizza à la supérette, là, à côté, et puis on se regarde un truc, là, j'ai vu qu'il y avait un bon film, là, sur Netflix. Allez, go. En plus, on est deux sœurs, maintenant, on a fait pareil. Trop bien. Allez, on va chercher une pizza.